Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ que je vous souhaite la bienvenue ce matin. Vous qui de près ou de loin regardez ce culte, vous qui au quotidien avez la joie de rendre grâce au Seigneur. Nous nous sommes rendus au deuxième dimanche de carême. Pendant ce culte en présence, nous aurons l'Assemblée générale de la mise en place de l'association familiale protestante. Nous serons heureux de vous y compter même à distance, et c'est dans la joie que le Seigneur lui-même nous accueille. Oui, nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu. Nos cœurs s'émeuvent de sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous, et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être appelés ses enfants. C'est de lui et de lui seul que nous recevons la liberté, la grâce et la paix. Ensemble, venons le célébrer. Amen. Louons le Seigneur. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Celui qui croit à la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité. Il aura la lumière de la vie. Voici que je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, et jusqu'à la fin du monde. Chantons le cantique 41-05, strophes 1 et 2. Nos cœurs te chantent. Thank you.
la volonté de Dieu. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui grâce à Dieu le Père. Amen. Chantons-le. Cantique 52, 17, strophes 1 et 2, libre de nos chaînes. Prière de repentance. Seigneur, nous voici devant toi et nous savons que nous sommes indignes d'être appelés tes serviteurs. Nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière. Nous avons servi et continuons de servir d'autres maîtres. Notre foi est faible. Nous n'avons pas eu le courage de te confesser devant les hommes. Nous n'avons pas pris au sérieux tes promesses et nous n'avons pas cru que ta parole a le pouvoir de sauver l'homme. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Et tandis qu'aujourd'hui nous entendons à nouveau ton appel, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Permets que nous revenions à toi. Pardonne-nous notre cœur partagé. Viens au secours de notre incrédulité, afin que nous apprenions à vivre comme tes enfants, à te servir de tout notre cœur, à être tes témoins parmi les hommes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons-le. Cantique 43:03, strophe 1, du fond de ma souffrance. Thank you.
le pardon de Dieu. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Fondés sur cette promesse, nous pouvons accueillir avec joie le pardon qui nous délivre et marcher sereinement sur le chemin que nous ouvre le Seigneur. Amen. Chantons le cantique 43:03 dans ta bonté parfaite. En ce jour, nous lirons deux extraits de texte. Nous lirons dans le livre La Genèse, au chapitre 22, les 18 premiers versets, et nous lirons l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, les versets 2 à 10. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, en ce moment où nous voulons ouvrir les Écritures, nous implorons ton Esprit Saint, afin qu'il nous inspire, qu'il nous guide et qu'il ouvre grand nos oreilles pour que ta parole remplisse notre cœur et que nous puissions témoigner au quotidien. Amen. Livre de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 18. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonaï-Yireh, ce qui veut dire « le Seigneur voit ». C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui «
sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Amen. » Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit d'une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Bien-aimé peuple de Dieu, nous sommes rendus au 2e dimanche de carême. Le mot carême, comme le rappelait déjà Odile dimanche dernier, vient du latin quadragesima, qui signifie quarantaine, et se termine précisément le jour de Pâques, à la résurrection du Christ. Ce temps rappelle aux croyants les 40 jours du Christ au désert, mais aussi les 40 années que le peuple juif a passé en exil avant de fouler la terre promise. Durant ce temps, l'Église nous invite à nous préparer à la grande fête de Pâques qui commémore alors la résurrection du Christ, venu libérer l'humanité du poids de ses entraves, et proposer l'amour à tous. Le carême n'est pas qu'un temps de sacrifice ou de pénitence. Le carême est avant tout une invitation à nous concentrer sur l'essentiel qui est Jésus-Christ, en gardant bien sûr les yeux rivés sur lui, le suivre et surtout pouvoir l'imiter. Tout cela est exigeant et demande
de la patience et la confiance, engagement à ne pas vivre seulement pendant le temps de carême, mais pendant toute notre vie. Pour ce faire, il est indispensable de choisir entre la vie d'amour que propose le Christ et nos petits égoïsmes multiples et multiformes qui nous caractérisent. Pendant le carême, nous sommes invités à revenir à l'essentiel et considérer le superflu et l'accessoire à leur juste place. Il s'agit alors d'engager notre foi comme réponse à un appel, à une promesse. C'est ce qui justifie le thème proposé en ce deuxième dimanche de carême. Dans le livre de la Genèse, nous comprenons avec l'histoire d'Abraham, dont le nom signifie « père de la multitude », que Dieu n'a pas oublié les promesses faites à son serviteur. Il lui a promis justement d'être le père d'une nombreuse descendance et pour cela, lorsqu'il lui demande un sacrifice, s'agit-il de tuer, comme cela se faisait déjà à cette époque, avec des sacrifices d'enfants? Il ne s'agit pas de tuer. En plus, tuer offrit en sacrifice le seul enfant qu'ils ont eu à peine dans la force de l'âge. Oui, en s'opposant au meurtre d'Ithac, qui signifie « fils du rire », Dieu veut éduquer à nouveau le regard d'Abraham afin de convertir entièrement les préjugés posés sur Dieu. Une manière de lui dire tout simplement ceci. Abraham, pour qui me prends-tu? Suis-je un Dieu qui se complaît dans le jeu pervers et pernicieux en te demandant d'ôter la vie d'un être humain pour te rapprocher de moi? En plus, ton unique, ton fils précieux que Sarah et toi avez eu dans un âge très avancé. Qu'ai-je fait alors de ma promesse de te donner une descendance nombreuse? Ne sais-tu pas que quand je te demande de me donner ton fils en sacrifice, je te demande plutôt de le faire vivre en te souvenant que je te l'ai donné par mes propres forces? Par ce geste d'amour, Dieu invite finalement Abraham à changer sa manière de le percevoir, d'où la conversion de son regard. Ainsi, la foi d'Abraham devient alors une réponse à une promesse faite depuis les premiers chapitres de la Genèse 13 à 15 et que nous retrouvons au chapitre 22 dans les versets 16 et 17 tel qu'il est écrit. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. » Voilà, frères et sœurs, le vrai visage de Dieu révélé sur la montagne à Moria, au lieu du sacrifice, visage réel qui se révélera sur la montagne avec Jésus-Christ pendant la transfiguration. Dans l'évangile du jour, c'est encore sur une montagne que la scène se déroule. La montagne, qui se dit Arar en hébreu et Horos en grec, est un lieu
exceptionnel dans la plupart des récits bibliques. Qu'il se nomme Arar ou Oros en hébreu ou en grec, il symbolise en même temps la terre et le ciel. La montagne est souvent présentée comme lieu de rendez-vous entre Dieu et les êtres humains. Elle est d'ailleurs une étape marquée par le passage d'un monde ancien distant de Dieu à un nouveau monde avec la parole de Dieu. Dans les textes que nous avons lus, les montagnes y sont présentes. Nous pouvons alors remarquer à juste titre que Dieu descend alors que les êtres humains montent. Dieu descend alors que les êtres humains montent au lieu de rencontre. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la transfiguration ou encore le changement d'apparence se déroule sur une montagne parce que les trois disciples qui accompagnent Jésus vont pouvoir découvrir enfin le mystère de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Ce mystère commence par les personnages qui sont témoins du changement qui s'opère sur Jésus. Élie, Moïse et Jésus ne sont pas de la même génération et n'appartiennent pas à la même période de l'histoire. Pourtant, tous se retrouvent de manière sereine et entrent en dialogue comme des contemporains. Je lis dans ce récit une invitation extraordinaire dans cette rencontre de générations. Le récit ne nous dit pas que les plus anciens râlent ou que les plus jeunes demandent à aller plus vite. En dialoguant tous ensemble, nous avons l'impression qu'ils sont en dehors du temps et de la durée des êtres humains. N'est-ce pas là une manière d'émerveiller nos mentalités à vivre ensemble, à dialoguer dans un esprit constructif en communauté, quels que soient nos âges? C'est aussi pour nous une manière de comprendre comment Dieu se communique à chacun de nous et à toute la communauté. En Jésus-Christ, il devient le Fils bien-aimé que nous sommes appelés à écouter. Le texte précise ceci. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pour les auditeurs de Jésus, qui étaient des juifs pratiquants, cette phrase n'est pas anodine. Elle est au contraire pleine de souvenirs. Cette phrase les amène à penser à la confession de foi qu'ils ont l'habitude de réciter quotidiennement. Shema Israël, écoute Israël. Et toi, qui écoutes-tu? En invitant les témoins présents à écouter Jésus, le rédacteur nous rend attentifs à la vie dans la confiance, nonobstant les difficultés à venir. Toutefois, Jésus a terminé sa mission en Galilée. Il va bientôt se diriger vers Jérusalem, ville dans laquelle il sera mis aux arrêts, traité comme un vulgaire brigand avant d'être mis à mort. Jérusalem. Il faudra alors faire preuve de confiance pour vivre les événements drastiques qui se profilent à l'horizon. La souffrance et la persécution en vue de libérer l'humanité de toutes ses compromissions. Mais comment pouvons-nous accepter tout cela? Quel type de Dieu est-il dans un monde où la toute-puissance, avec ses attributs, accompagne les démiurges terrestres? Démiurges ou demi-dieux que nous adulons sans jamais être satisfaits.
avec sa transfiguration. Jésus ne représente pas l'univers et le monde de Dieu, comme le souhaiterait Pierre et à travers lui tout le peuple juif et l'humanité entière. Laissons-nous simplement bercer par les propos de Pierre au verset 5. Alors, Pierre dit à Jésus, « Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » La dimension céleste de la scène ne laisse pas le témoin Pierre indifférent. Dans sa logique humaine, il veut faire durer le plaisir quand il dit qu'il faut construire 3 tentes, 3 abris. Ces critères sont illusoires et trop humains. Nous aurions sans doute fait la même chose, me diriez-vous, à tort ou à raison. Pourtant, Pierre parle sous l'emprise de la peur, ce qui justifie son langage et sa réflexion purement humaine, ce qui suscite l'intervention de Dieu par la nuée qui interrompt ce spectacle en enveloppant les témoins de la scène. C'est alors que le vrai sens de la scène est remis au centre par cette voix venue du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, dans le brouhaha de notre société et du monde, avec des voix que nous façonnons ça et là, ou des voix qui s'offrent gratuitement à nous. Oui, qui écoutons-nous? Qui écoutes-tu sincèrement? As-tu encore le réflexe de t'intéresser à cette voix qui au plus profond de toi veut éviter que tu rentres en conflit permanent, en jugement permanent sur ta propre personne que tu déverses sur les autres? La transfiguration de Jésus n'est pas la marque déposée d'un succès et d'un rayonnement politique comme le croient les apôtres. C'est plutôt le rayonnement de l'amour encore manifesté dans l'épisode d'Abraham avec son fils Isaac. Un amour porté par les objectifs de l'association familiale protestante qui se recrée dans notre département. Son objectif est-il contraire à la volonté de Dieu lorsqu'il souhaite défendre l'ensemble des intérêts matériels, financiers et moraux des familles qui la composent ou qui la sollicitent? L'amour dont fait preuve le Seigneur envers Abraham convertit son regard sur la figure de Dieu, tout comme une aide ponctuelle que peut apporter une de nos associations, comme l'entraide protestante ou l'AFP, aux personnes qui en auraient besoin. Le sacrifice voulu par Dieu n'est pas d'ôter la vie, mais d'en prendre soin pendant qu'il est encore temps. Le temps qui nous est cher, le temps qui ne nous appartient pas. Les témoins qui ne comprennent toujours pas sont plutôt sommés de garder le silence. Curieuse invitation. Oui, à garder le silence, puisque la résurrection éclairera une fois de plus le mystère en leur faisant découvrir le vrai visage de Dieu. Un Dieu d'amour inconditionnel, mais un Dieu capable de chasser les marchands du temple. Pour l'instant, la vie ne se passera pas sur la montagne. Ce n'est pas la réalité concrète. Il faudra redescendre afin d'affronter les réalités terrestres, affronter l'hostilité, la résistance, même interne dans nos communautés, à la proclamation de la bonne nouvelle et surtout assister à la mort et à la résurrection. Voilà la réalité sociale inéluctable.
l'amour du Christ ne les éloigne pas des difficultés de la vie. Difficultés qu'il faudra affronter dans la confiance. Une des exigences de notre mission terrestre. Pour cela, il faut peut-être garder silence afin que chaque chose arrive en son temps comme la résurrection prochaine. Amen. Oui Seigneur, tu nous appelles à t'aimer. Je vous invite à la confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi parce que ta vie était en plein accord avec ta pensée, parce que ton enseignement m'atteint dans le vif de ma vie à travers les siècles, parce que tu n'es que lumière et amour, parce que ta mort est affirmation puissante de vie. Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu as su vivre l'amour jusqu'à l'extrême limite du souffle, et rendant ce souffle à ton Père, tu n'as été malgré le cri d'abandon que bénédiction et louange. Ainsi, Seigneur, Esprit, dans ta vie et jusque dans ta mort, tu fus lumière, amour et vie. Je crois en toi. Amen.
Prions les uns pour les autres. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ta parole qui nous régénère et le souffle de vie que tu nous accordes au quotidien. En ce jour, nous voulons te présenter nos sœurs et frères dans la peine. Nous pensons à Michel, que tu as rappelé à toi, ainsi qu'à sa famille Odette et Gérard. Garde-les en ta présence, bénis-les, soutiens-les et ne les abandonne pas, Seigneur. Prends particulièrement soin de Odette, ainsi que son état de santé. Régénère-la, donne-lui force et courage de tenir bon et surtout de garder cette confiance en toi. Ne les abandonne pas dans le chagrin. Souviens-toi, Seigneur, qu'ils ont besoin de ta présence. Nous te prions pour les malades, pour Christelle, pour Pascal, pour Paulette, pour Alain Boutouang, encore alité, Seigneur, pour Régis et Marie-Rose Simon, pour Jeannette et Daniel, pour Jeannette Fortin, pour Anne-Thérèse, pour Nicolas, convalescent, Seigneur, ce jeune que tu relèves avec joie. Nous pensons aussi à ceux et celles qui souffrent physiquement dans la chair. Sois à leur côté et ne les abandonne pas, Dieu de grâce. Nous te confions nos activités dans la paroisse. Et tout à l'heure, l'Assemblée générale de la constitution de l'association familiale protestante, afin que tu suscites les femmes et les hommes qui ont à cœur le souci des autres. Souviens-toi des élèves et étudiants qui, en ce moment particulier de notre vie, connaissent de la peine. Inspire les uns et les autres pour les accompagner, Seigneur, pas seulement dans des paroles bonnes, mais aussi en actes. Souviens-toi des entrepreneurs, parfois qui ne savent plus où donner la tête. Prends soin des salariés qui s'interrogent sur l'avenir de leur emploi. Nous te confions notre paroisse. Nourris ses projets. Renouvelle et inspire les vocations et les engagements des uns et des autres. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Avec Jésus-Christ, tu marches tous les jours devant nous, avec nous, et tu nous accompagnes. Nous te confions notre semaine, nos journées et nos familles. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour. C'est maintenant le temps de l'offrande. Comme je l'explique dans chaque vidéo, l'Église est exclusivement financée par les dons. Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement ou pour la rémunération des pasteurs. Sa seule ressource financière est donc le don libre de chacun et de chacune de nous.
Les dons recueillis vont permettre à l'Église de vivre sa mission chaque jour. Alors il n'y a pas de petits dons, chaque don compte. Et chacun est invité à donner selon son cœur. C'est ce que nous pouvons lire en 2 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne donc comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors si comme moi, vous n'êtes pas allé au temple depuis un certain temps, assister à un culte en présentiel, pensez à donner, et pour cela, plusieurs manières. Par chèque, libellé à l'EPU Pays-Niortais et adressé aux 6 rues de l'ancien champ de foire à Niort, ou en vous connectant sur le site internet de la paroisse en allant directement dans la rubrique dons. Je vous invite à la prière. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous dicte l'amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Les annonces. Frères et sœurs, bonjour. Le CP souhaite une chaleureuse bienvenue à tous ceux qui font le culte avec nous ce matin pour la première fois ou qui sont juste de passage. Le carême protestant se poursuit sur France Culture tous les dimanches à 16h ou sur Fréquence Protestant tous les lundis à 21h30. Une émission animée par le pasteur Samuel Amedro. Le thème qui sera abordé aujourd'hui est le suivant. Les chrétiens doivent-ils faire de la politique? N'oublions pas que le 5 mars, à 16h, il y aura donc une célébration de la journée mondiale de la prière à l'église Saint-Étienne, une église catholique à Niort. Nous sommes donc invités à nous y rendre massivement, voilà, pour prier avec les frères et sœurs, voilà, de la ville. Une rencontre du groupe de jeunes prévue samedi dernier a été reportée à une date ultérieure. Le 30 mai, nous aurons une assemblée générale donc de l'Église. Pensez donc à vous inscrire sur le fichier paroissial en remplissant une fiche à votre disposition à la sortie du culte. Vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller en même temps du CP pour avoir de plus amples informations. Tous les troisièmes dimanches de chaque mois, dépôt dans le bac à collecte des denrées non périssables à destination de nos bénéficiaires. Merci pour tous les donateurs et merci en même temps pour votre attention à l'écoute de ces annonces. Merci. Avant de terminer ce temps de célébration cultuelle, je tiens à remercier ceux et celles qui m'ont accompagné pour ce culte ce matin, mais aussi à vous tous qui, de près ou de loin, regardez, participez et nous faites des retours de quelque moyen que ce soit. Que le Seigneur lui-même renouvelle vos forces et vous dispose à son service, afin que nous soyons des témoins en parole et en actes. Recevons maintenant quelques exhortations avant la bénédiction. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mon frère, ma sœur, dans le brouhaha de ce monde, qui écoutes-tu? Il faudra redescendre la montagne afin d'affronter malgré tout les réalités terrestres. Affronter l'hostilité, affronter la résistance même interne dans nos communautés à la proclamation de la bonne nouvelle et assister à la mort de Jésus avant sa résurrection. Voilà la réalité sociale inéluctable. L'amour du Christ ne nous éloigne pas des difficultés de la vie, difficultés qu'il faudra affronter dans la confiance. Une des exigences de notre mission. Mais souviens-toi
que la montagne, qui peut te paraître hostile, est une étape de la révélation du vrai visage de Dieu. Que le Christ, vainqueur et victorieux, de toute hostilité vous bénisse et vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeure, par ta grâce, béni au nom du Seigneur Jésus. Bonne semaine, bon dimanche et à dimanche prochain.